3 heures encore. Peut-être 3 heures, c'est beaucoup en fin de compte. Eau potable, prendre, faire de l'eau. Et c'est bon. On va refaire la même chose. Ah, 0,4. Vous pouvez avoir 0,5. C'est pas grave. Par contre, on est chaud chaud. C'est pas grave. On est bon là ou pas? Il fait beau en plus, hein. Faudrait qu'on récupère plus de viande. Ouais, là j'ai mis un feu qui dure trop longtemps en fait. Ça sert strictement à rien. Parce que vu qu'on peut faire cuire les choses extrêmement vite, ça sert à rien là. Ah ouais, non, là non, là on va trop vite là. Mon dieu. Hop. Café, on a combien? On a 5 tasses. Pourquoi le café? Pardon? Réchauffement. Qu'est-ce qui se passe? Le café était en train de réchauffer à côté, en fait. Ok. Là, non. Là, non. Là, oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Alors ce qu'on va regarder, ce qu'on va vérifier, c'est est-ce que ça le fait évaporer? Parce que je sais pas si... Normalement, les choses qu'on a déjà cuites, genre café, tout ça, là, ça s'évapore pas, on est d'accord. Donc je pense qu'on ne va pas avoir ce problème-là, mais... Mais faudrait vérifier quand même. Pour être sûr. Juste pour être sûr. Donc, en tout cas, ça va faire 20-30 minutes que de ça. C'est pas vraiment super intéressant. On va le laisser là, on va le laisser là, on va voir ce que ça nous donne. Ça. Fondu, bouilli, fondu, bouilli. Ok. On est bien. Après, on va faire un peu de café en plus. Ça va, on est chaud. On est bien. On va couper encore un peu de loup. Toi, t'es bon. C'était pas quand même prévu, hein, le génocide de loup là. C'était pas prévu du tout. Hein. Je préfère prévenir. C'était pas prévu qu'on commence à massacrer tous les loups de Milton. Tant mieux, mais c'était pas prévu. Voilà. Après, on a la peau à récupérer, on a les boyaux. Autre chose. Café chaud. Ça, c'est bon. Okay. On va faire une deuxième tasse. On va prendre ça. Alors, café, cuir. Après, dans 14 minutes. C'est marrant qu'on puisse faire chauffer les choses à côté du feu. C'est énorme ça. On va faire de la tisane aussi.
faire de la tisane. On va en profiter. Vu que je me réchauffe en même temps, en fait, j'en profite pour... genre faire en sorte que ça soit joli. Je sais pas. Les barres de céréales, on va les mettre sur la table, je pense. Je sais pas si c'est un bug ou alors ils ont voulu le faire exprès. On a encore une heure. Alors ça on va attendre. Tasse à café, prendre. Voilà. Parce qu'en fait faut regarder aussi si on n'est pas trop chaud, parce que bon, si on est au maximum en chaleur, ça sert à rien d'attendre devant le feu, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc faut que je sorte, quoi. J'ai pas regardé les timers à la maison. Donc on va faire que 15 minutes. On va faire 15 minutes par 15 minutes. En tout cas, vous me direz, je vais laisser ça, comme ça les gens peuvent voir un peu comment ça fonctionne, parce que enfin, je l'ai déjà fait, mais... brûler, attends, ça c'est bon, bouillir jusqu'à évaporation, ok, on va faire de l'eau, on va faire de la viande, cuire, cuire. On va faire encore une tisane. On va mettre... on a de l'eau. Parce qu'on a, voilà, on a beaucoup. Getting weak. Voilà. Alors, 0,4, 0,5. Celui-là, on va le manger aussi. On va faire pareil. Très bien. Ça, ça on jette, ça on jette. Chaud, prêt dans 28 minutes. Donc ça aussi, ça se réchauffe en fait. Réchauffement, réchauffement. Oh, c'est abusé. C'est énorme. J'ai l'impression d'être en cuisine en fait. Genre dans un restaurant et tout ça. On va faire celui-là chauffer. Ah non, on l'a déjà fait créer. On va faire plus de tisane. Genre il faut regarder tous les timers et tout machin, s'abuser. Genre faut vraiment être au taquet, quoi. C'était superbe. Je pense que niveau viande on est bon, hein. Je vais pas dire, mais je pense que on est plutôt bon. Bon, le problème serait que, enfin la chose bien, c'est qu'il faudrait quand même récupérer la viande quoi, sur les lits. Hmm. Ouais, on pourrait laisser les choses là comme ça, fondu, brûlé, dans machin, après, ok. On va remettre ça. Pardon, excusez-moi. Ah, j'aime pas mettre pause. Jeter. Ouais, on a qu'à les laisser à côté de... à côté du feu.
attends. Merde. On les laisse à côté du feu. Vous savez pourquoi? Parce que quand on fera du... quand on fera donc du feu, en fait, on va pouvoir les... Ça va les chauffer en même temps. Et du coup, ben... Bah du coup, en fait, ça les chauffera en même temps, quoi. Par contre, vous avez remarqué que quand... Ah, c'est bon, je suis chaud. Vous avez remarqué que quand je les ai dans la main et que je fais poser, en fait, ça les prend comme si j'étais dans le truc, hein, dans le... Ça, là. Comme si j'étais en train de les faire cuire. Mais en fait, je les fais pas cuire. Je les fais cuire en... indirectement. Enfin, bref. C'est pas grave, c'est du détail, on s'en fout. Ça. Ah, il fait moins froid maintenant. Moins 14. C'est embêtant parce qu'on a une bonne... On a une bonne journée là. Un peu perdu. Non. Attendez, parce qu'on a 3 tisanes, on a 2 cafés. La boîte à café, on a combien encore? C'est con, ça ne nous le dit pas, il faut vérifier. On a encore 4 tasses, on va encore en faire une, je pense. Ou alors on fait de la tisane, parce que la tisane, on en a plein. Ouais. On va ressortir. On va couper encore un morceau de viande. Après, bon, bien sûr, on pourrait le faire... 58%. Je dois rester un peu plus à l'extérieur, genre couper 2 kilos au lieu d'un. Surtout que là on peut maintenant. S'il ne fait pas froid, mais Mais au final, il faudrait regarder les timers, on sait jamais, ça peut brûler en fait. Donc, on fait... Attention. Ah, le feu, j'ai pas fait attention. Oh, merde. Oh, merde. Quel con. En pause. On pourrait refaire du feu. Parce qu'il fait jour. Il fait soleil. Donc à la limite, on pourrait refaire du feu et... comment dire. Vous voyez, je parle en même temps et puis au final, voilà, je me suis fait avoir. Pas grave. Bah du coup, on va explorer. Et on refera du feu par plus tard. Alors de la viande crue. On va la prendre. Ça c'est une tisane. Ça c'est de l'eau non potable. Tisane. Est-ce que la tisane est prête? Non, la tisane n'est pas prête. Donc on va la laisser. On va laisser les choses là. Très bien. Donc, tac, tac, tac. Alors, explorons, parce qu'il fait pas froid. Non? Alors, on pourrait couper plus de viande, mais j'ai pas envie de couper plus de viande, parce que c'est chiant. On va prendre de la viande avec nous, par contre. Alors, dernier saut à la maison, avant de partir. Voilà. On
let's go. Maintenant, exploration. Alors vu que, comme j'ai dit, hein, vu qu'il fait pas froid, on pourrait totalement couper les loups, récupérer la peau, récupérer les boyaux. Mais... pour être honnête, on en a pas vraiment besoin, donc autant se balader. On a de la viande, on a de l'eau, si jamais on doit dormir autre part qu'ici. Alors je dois bien récupérer du bois. Alors, je sais pas si on y est déjà allé, si on est déjà tenté. Je crois qu'il y a des loups là. Donc là, il va falloir faire attention. En plus, on n'est pas trop fatigué, donc on va pouvoir sprinter si jamais il y a un problème. Okay, je vois personne. Est-ce qu'on a déjà visité, fouillé le compartiment à gauche? Non, on n'a pas vu. J'ai entendu des trucs marcher. Alors sur une vidéo, on m'a dit que on pouvait maintenant regarder le réservoir. This will come in handy. Ah ouais. Ça sert à quoi? D'accord. Bon bah merci. Je savais pas. Alors, on a tué tellement de loups, je suspecte que certains loups venaient d'ici. Parce qu'il y en a eu trop d'un coup en fait. Donc je suspecte que certains venaient complètement d'ici. Donc on peut ouvrir, on peut récupérer la batterie, enfin on peut pas vraiment la prendre dans l'inventaire. This stuff will come in handy. Wow. Mais on peut récupérer la batterie. Ok, là on va essayer de lui faire le coup du vêtement. Non, marche pas. Si. Marche pas. Là, il est trop près par contre. Là, il est trop près. Ok, vas-y, casse-toi. Il est trop près. S'il est trop près et qu'il nous flaire, il va nous foncer dessus. Je veux tester le coup du vêtement, hein. Vous savez, pour leur faire peur. Bouh! Non, marche pas. Ah, c'est des pourcentages, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein. On peut tirer? Non, on peut pas. On peut pas bander l'arc, en fait. Voilà. À plus tard. Envoie une carte postale. Saloperie. Par contre, il commence à faire froid. On va un peu sprinter. Faire gaffe qu'ils reviennent pas aussi. Lapin. Oula, je crois que j'ai entendu un truc derrière moi. Ouh. Je crois que c'est nouveau ça. J'étais quasiment sûr que l'église était ouverte en fait. Vous savez, comme les églises brûlées, les trucs comme ça. J'étais quasiment sûr qu'elle était ouverte. C'est peut-être ma mémoire qui est pas bonne. Ah, qu'est-ce que la mémoire ? Non. Ce qui est bon à savoir, c'est que on pourra complètement rester ici. Faire une escale pour se réchauffer, tout ça. Il n'y a pas des choses qui traînent. Oh. Une loupe. Ça, on n'en a pas assez. Ah, on peut même faire du feu.
Et on peut même dormir. Ah, c'est parfait. Voilà, on peut complètement vivre ici si on veut. Ouais. On a des livres un peu partout. C'est quoi ça? Analgésique. Très bien. Une boîte. Rien. Livre. Livre. Seulement des livres. Il y a soleil, il n'y a rien. C'est quoi ça? Est-ce qu'il n'y a que des livres? Genre pas des manuels. Ah. C'est pour moi. Il n'y a pas de charbon. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a pas grand chose. Ah, c'est sympa. Sympathique. Je pense qu'on peut partir. Il y a encore 700 calories. Il fait... Ouais, ça va. On a 49%, ça va. Allez, go. Alors, on va devoir faire attention aux loups. J'ai peur qu'on soit un peu obligé de les combattre. Enfin, de le combattre, plutôt. C'est vrai que j'essaye de le trouver pendant que je suis en accroupié. Pas très froid. Il est là. Est-ce qu'il m'a flairé? Il m'a flairé, mais il m'a pas vu encore, je crois. Très bien joué. Et voilà, encore une fois, flèche brisée, quoi. C'est ça qui m'embête. Je peux entendre des pas. Non. C'est ça qui m'embête, c'est que bon, on commence à casser les flèches en fait. Encore qu'on les one-shot, hein, imaginez. Si on les one-shotait pas, les trucs. Bon, maintenant on peut ouvrir ça. Hein, je sais toujours pas pourquoi. Mais... Ah, ce qu'on pourrait faire, c'est dessiner. J'ai complètement oublié ce passage. On va se mettre là, à l'abri du vent, juste au cas où. Très bien. Oui, oui, oui. On a des massettes ici. Des serres. Bon. Je pense qu'on va commencer à rentrer. Je vais essayer de mettre en hauteur si on voit quelque chose et on va rentrer. Là, là, il y a encore des tombes. Emily Camp. Paix à son âme. Lilith Barker. Si ça aurait été le Baker, ça aurait été sympa. Jessica Roy. Ils sont tous morts dans les années 80, mais on n'est pas dans les années 80, si. Je dirais si, peut-être. Ça va. On peut se permettre d'avoir un peu froid parce qu'on a plein de nourriture et tout ça. Donc pour soigner, c'est pas un problème. Franchement, c'est pas vraiment un problème. Voilà. Par contre, j'aurais vraiment voulu... C'est un rocher ou c'est une maison? C'est quoi ça? C'est un loup ou c'est un lapin?
Ça, c'est un lapin, parce que sinon, ce serait un gros lapin. C'est un loup, pardon. Sinon, ce serait un gros lapin. Ce que j'aurais bien voulu, c'est dessiner un peu plus, peut-être. Mais c'est pas grave. Ouais, dessiner un peu plus. Faire un peu plus de cartes, c'est pas grave. On va récupérer un peu de bois. Secteur boisé. Ah! Vous savez ce que ça dit? C'est les corbeaux. Il y a un cadavre. Mais il est où le cadavre? Oh! Là-haut ? Ah, il est là. Okay, on a des massettes aussi. On est à 29%, on est à moitié de la vie. Je peux juste vérifier là s'il n'y a pas quelque chose. Bizarre, j'ai pas vu les corbeaux quand on est quand on était sur le pont en fait. Peut-être que. Enfin des fois le temps ils y sont pas en fait avec le temps. Ça dépend. Massette c'est toujours bon. Bon, on va faire le tour des. C'est pas bâtiment, vite fait, non ça rentre. On rentre. On va poser le bois. Bah au final, faut l'avouer, c'était une bonne. Une bonne petite journée parce qu'on a. On a fait beaucoup de nourriture, on a fait de l'eau. Et après on est allé jusqu'à la l'église, on a récupéré du bois, ça va. Ça va. On a génocidé tout Milton, en tout cas pour ce qui est de la population des loups. Est-ce qu'on a fait cette maison? Juste au cas où. Parce que je sais qu'il y a des maisons, moi il faisait trop nuit. Donc je sais plus. Ouais non on a tout fait là, ça va. Par contre on va éviter. Non, à 36%. On va éviter de casser du bois à l'intérieur. Parce que je crois que c'est ça qui nous met. Qui nous augmente la. La folie. Le mal de l'enfermement, je pense que c'est surtout ça qui augmente en fait. C'est de casser du bois à l'intérieur. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va déposer un peu les choses. On peut pas le mettre là, voilà. Très bien, bon, ça c'est en stand-by, hein, c'est pas grave. On va mettre le petit bois ici. Alors d'abord, enfin non, la flèche on va pas le faire maintenant. Petit bois là. Alors après, est-ce que... Il y avait un endroit où c'est que je mettais toutes les plumes. C'est pas là, dans la grande vitrine. Ouais, on peut mettre 40 kilos. On peut mettre 40 kilos. Transférer. 5, ça on garde. On n'a qu'à mettre ça aussi.
Ouais, non, ça va, on peut transporter 30, 40 kilos, quoi. C'est plus que nécessaire, donc ça va, on va mettre tout ça là-dedans. Ok, mettre la loupe. Après, je sais que... Ouais, aussi, on a plein de... Il nous faudrait des boyaux en plus, en fait. Ouais, ça, il nous faudrait des boyaux en plus. On a plein de vêtements, on peut en faire du cuir, on peut en faire du tissu, enfin, ça aussi. Veste Makinao. Genre, on n'avait pas mis derrière des... Non, c'est l'arc de survie. L'arc, on peut complètement le mettre là-dedans. Genre celui-là, 100%. Hop, voilà. Très bien. Ouais, à la limite... on va manger, par contre. À la limite, je dirais récupérer plus de boyaux. Pour... si jamais on en a besoin, en fait. Parce qu'il faut... En fait, c'est le truc con avec les boyaux, c'est qu'il faut attendre, hein, tout simplement. Faut attendre, enfin, voilà, voilà. C'est chiant. Ça avec le couteau. Là, on perd un peu de vie, c'est pas grave. Voilà, lui c'est fait. Mal de l'enfermant, 30 points. Voilà, lui c'est fait, on le touchera plus. Très bien. Donc on a une peau de loup en stand-by. En séchage. En séchage. Et des boyaux. Ah, très bien. Tac, tac. Voilà. Voilà, on a encore de l'endurance, on pourra encore se balader un peu, ou alors récupérer des boyaux, je sais pas. Je dirais le bois. Ouh la vache. Silent Hill Remake encore. Okay. On va regarder pour du bois. Il fait pas extrêmement froid, donc peut-être qu'on peut se balader un peu à droite, à gauche. S'il y avait eu des tempêtes il y a pas très longtemps... Alors faudra aller là-haut aussi. Ah, c'est une tour relais, je crois, une tour radio. Ouais, ouais, il va falloir y aller. Par contre, c'est possible que ça dure longtemps, en fait, le chemin. Je vais voir s'il n'y a pas du bois là. Ce qui est bête, c'est qu'ils mettent pas à combien aller, genre à combien de kilomètres. Donc ça peut être proche comme ça peut être ultra méga loin. Ça c'est l'aventure, ça. Allez, on va rentrer au lieu de perdre plus de vie. Là, on a peut-être perdu un peu plus que ce que je pensais. Ah. Et voilà. Ok, on est à 33%. Ouais, j'avoue que là, 33%, c'est un peu... C'est un peu tiré, hein, la corde. J'avoue que j'aurais pas dû...
ça on a. Voilà, on a un peu un tout petit stock de bois. C'est très bien, on a les allumettes, tout ça. Ok, la maison est cool. La maison est cool. Réfrigérateur et congélateur. On peut mettre 20. Réfrigérateur, on met de l'eau. Ça rend pas mal, hein, le fait de... d'avoir ça. Congèle, on pourrait mettre... Je crois qu'on peut mettre de la viande, mais je suis pas sûr. Enfin, on peut mettre de la viande, mais est-ce que c'est le mieux, c'est reste de la laisser dehors ou de la mettre dans le congèle? Parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. Je sais pas si vraiment ça va réduire le temps de... Enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il fait pas complètement noir. Tous les vêtements qu'il y a, quoi. C'est abusé, c'est abusé. Je crois que pour les désassembler tout ça, il faut au moins une heure. Faut passer un peu de temps en dehors encore. Pas très froid. On va en profiter. Eh oui, on va encore perdre un peu de vie, je sais. Je suis au courant. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, maintenant on a 5 boyaux qui sèchent. Voilà, ça va. Comme ça on sera en prévision si jamais on a un problème. Pour le loup, il faut quoi les vêtements du loup? Ah non, c'était le manteau. Ouais, c'est 80%, ça on n'a pas de problème, ça c'est 92. Les serres à la limite, il faudrait faire des serres. Les lapins, on est bon. Ouais, faut chasser quoi. Tout ce qu'on voit, il faut le chasser. On est pas contre. Ah, là, on a la lampe, le fuel. On n'est pas contre les ressources. Voilà, on n'est pas contre les ressources en tout cas. On peut toujours en avoir besoin. Voilà. On a de la tisane, des conneries. Et là, c'est la cuisine avec les trucs qui chauffent. Qui chauffent quand on met le feu à la cuisinière, c'est cool ça. Alors, je sais pas si c'est voulu, hein, mais bon, depuis que la mise à jour est sortie, je pense que dans un sens, c'est plus ou moins voulu. J'essaye de perdre du temps en fait. Je n'ai pas complètement fatigué, mais je crois qu'on va tout simplement dormir maintenant. Et demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Bon, on a toujours le mal de l'enfermement. Bon, il a 25%, donc on arrive à le gérer, pas de problème. S'il fait beau... À la limite, s'il fait beau, on va aller à la tour. Ouais, on va faire ça, tiens. On va aller à la tour, donc c'est à gauche de notre maison. Et on monte. On fait ça. Et sinon, bah, je sais pas trop. Mais je pense qu'on va faire ça. Sinon, bah, voilà, on récupérera du bois dans la forêt, voilà. Parce que le bois, c'est quand même important, on n'a pas beaucoup. On va faire ça. On va dormir une dizaine d'heures. À plus tard!